إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألين أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم. Bienvenue à vous pour cette nouvelle session dans la salle Zoom J'apprends l'Islam. Il s'agit donc du 14e cours du livre Al-Mu'taqad al-Sahih, la croyance authentique, du noble savant Abdus Salam ibn Barjas alayhi rahmatullah. Qu'Allah lui fasse miséricorde, expliqué par notre cher Abu Abdillah Mohamed Chalabi, hafidhahullahu ta'ala, Allah le préserve. Donc nous sommes le jeudi 5 Dhul Qa'da 1444 de l'Hégire, qui correspond au 25 mai 2023. Al-mu'taqad al-sahih fi al-iman. La croyance authentique concernant la foi. Wa min jumlat i'tiqad ahli as-sunnah anna al-iman qawlun bil lisan. بأن ينطق بشهادة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد بالقلب بأن يجزم جزما قاطعا بصدق كلمة التوحيد وعمل بالجوارح. Parmi les croyances des gens de la Sunna est que la foi est une parole par la langue en prononçant le témoignage de l'unicité. Il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, et Mohammed est le messager d'Allah. Et d'une croyance par le cœur en ayant l'indubitable conviction de la véracité de la parole de l'unicité et des œuvres des membres. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est un cours très important en ce sens que c'est la aqida, et dans la aqida encore, c'est un des plus importants, c'est l'iman. C'est l'iman. Ce n'est pas par exemple le bassin ça rentre dans la aqida, c'est aussi important, mais ce n'est pas comme l'iman, l'iman. Qui fait, et bien sûr, de la personne un croyant bien, un kafir, il a dit parmi les croyances. Et bien sûr, dans cette iman, dans cette conception de la foi, ça varie yani, d'une secte à une autre. Ils ont yani, une conception, hein, et là, on yani, tarif, ce qu'on appelle, disons, une signification. Naam, et les mubtadi'a, les mu'tazila, ils ont aussi un tarif spécial, une conception spéciale chez les Rawafid, chez Alhamdoulilah. Aujourd'hui, on parle de Al-Sunnah ou Jama'a pour savoir si vraiment yani on fait partie d'eux, Inch'Allah Ta'ala, ou pas. Il a dit parmi les croyances des gens de la Sunna et de la Jama'a, bien sûr, et que l'Iman est une parole par la langue en prononçant Al-Shahadu Alla ilaha illallah, na'am. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc la foi عندنا c'est quoi? Une parole par la langue. Il a dit aussi et d'une croyance par le cœur en ayant l'indubitable conviction de la véracité de la parole de l'unicité. Non. Une croyance dans le cœur et des œuvres des membres. Donc il y a trois choses. J'aurais préféré par exemple qu'il commence par la deuxième, par le cœur. Une croyance. Non. Par le cœur. Croyance avec la pleine conviction. Ensuite, de cette croyance sur la Ta'ala, va jaillir le fait qu'on dise quelque chose avec la langue, c'est-à-dire qu'on fasse, qu'on prononce le témoignage de l'unicité, et en même temps qu'on fasse des œuvres avec les membres de l'Ibn Azzawajal. Donc, c'est ça, Inch'Allah Ta'ala, la croyance de Al-Sunnah ou Jama'a. Donc, c'est trois choses. Quelque chose dans le cœur, ensuite la parole. Et ensuite,
أفغي لزفر بإذن الله عز وجل. نعم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية، ولا يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخر. رواه اللالكائي في السنة. إمام الشافعي رحمه الله كالله لفاس ميزيكارد a dit: il y avait consensus des compagnons de la génération suivante puis la suivante et de ceux que nous avons atteints pour dire que la foi est une parole, une œuvre et une intention, et aucun des trois ne suffit sans les autres, rapporté par Al-Lalakai dans As-Sunnah. Donc, Shafi'i rahimahullah a dit, il y avait un consensus des compagnons, la génération suivante, puis la suivante, c'est-à-dire tabi'u tabi'in, tabi'u tabi'in, et comme ça, de ce que nous avons atteint pour dire que la foi, c'est trois choses, une parole, une œuvre et une intention. L'intention, bien sûr, ça se trouve dans le cœur. Donc le cœur, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, le cœur, la parole et l'œuvre. Et l'œuvre. Et aucun des trois ne suffit sans les autres. Aucun des trois ne suffit sans les autres. Non, c'est pour ça que quelqu'un qui est, par exemple, kafir, il veut embrasser l'islam. Non, ça ne suffit pas qu'il dise, hein, dans mon cœur, j'ai la conviction indubitable que Allah Ta'ala existe, qu'il y a le paradis, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Ni, yani, il donne la sadaqa ou la. Mais il faut qu'il dise, yani, shahadu la ilaha illallah, shahadu Muhammad Rasulullah. Bien sûr, ce n'est pas obligé, yani, que ce soit en arabe, il y en a qui l'ont permise dans toutes les langues. Le muhim, ce que je veux dire ici, c'est que le fait de prononcer hada, na'am, s'il ne la prononce pas, na'am, il s'abstient de la prononcer cette phrase sans excuse, na'am, il n'est pas encore entré en islam. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit à son oncle Abu Talib, juste lorsqu'il était avant de mourir, qu'est-ce qu'il lui a dit? Ya'am, ya'am, oh mon oncle, ul kalimatan, dit une phrase, hajju laka biha inda Allah, demande Allah subhanahu wa ta'ala, et ça te sera, inshallah ta'ala, une excuse. C'est quoi cette phrase? La ilaha illallah. Il ne l'a pas dite. Alors que dans son cœur, il était convaincu que Mohammed, c'est un prophète, qu'il a été envoyé, etc. Non. Il a même fait des choses, de bonnes œuvres. Il a défendu le prophète, donc il a défendu l'islam. Mais là, il est mort kafir. Il n'a pas dit la phrase. Là, j'attire l'attention sur une chose importante et qui revient souvent. Beaucoup de reconvertis, surtout les femmes, croient que pour se reconvertir, il faut aller à la mosquée. J'ai dit ça une fois ou plusieurs fois, ce n'est pas une condition. Non. Là où on est, on dit cette phrase. Non. On est en voiture, on est chez des amis, on est dans la cuisine. Si on veut se reconvertir, on dit cette phrase, donc c'est obligé d'avoir recours à la mosquée. C'est bien, par exemple, c'est bien, mais ce n'est pas obligé aussi. Il y a, par exemple, un ou deux témoins. Pourquoi? Comme ça, si jamais la personne, par exemple, meurt, au moins, ils vont témoigner que cette personne, c'est un croyant ou une croyante, et que au moins pour l'enterrer dans le carré musulman, ou avec les musulmans. Non. Mais faire de ça une condition qu'on croit certain que je dois aller à la mosquée pour faire la shahada, non, j'ai même un peu, j'ai peur de dire ça, mais j'ai même un peu peur que ça peut rentrer dans la bida. Si bien sûr, c'est quoi? Ce n'est pas le fait d'y aller, mais le fait de croire que c'est une condition, que je dois aller à la mosquée. Et si la personne y va à cause que ça va la réconforter plus, ou là encore, ou là, si elle y va, au moins, qu'elle ne mette pas dans son cœur que c'est une condition d'y aller. Ça y est. زيادة الإيمان ونقصانه. L'augmentation de la foi et sa diminution. ويزيد الإيمان بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. سورة آل عمران الآية 73.
La foi augmente avec l'obéissance à Allah et diminue par sa désobéissance. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, « Certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi. » Donc, chez Al-Sunnah ou Jama'a, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'iman augmente. L'âme augmente avec quoi? Avec yani, les œuvres, bien sûr. C'est-à-dire la foi augmente avec l'obéissance d'Allah Azza wa Jal, ta'at al-Rahman. Ils disent yani, l'iman yani, yaqwa bi ta'at al-Rahman et il faiblit bi ta'at shaytan. Et il diminue par l'obéissance au shaytan, c'est-à-dire la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Vous avez remarqué, plus on fait des œuvres, surtout par exemple si on fait des nawafil, des choses qui ne sont pas obligatoires, plus yani, on sent la douceur de la foi dans le cœur. Et plus yani, on délaisse ces choses, plus notre cœur durcit. Et plus on se dit, Allah l'adim, ma foi est faible, non, ma foi affaiblit. Non, ça ne faiblit pas sans raison. Tu penses, lève le matin, on dit, ma foi est faiblie. Il y a des causes. Non, tu t'es éloigné des assises, tu t'es éloigné d'écouter les doros, tu t'es éloigné de lire le Coran, tu t'es éloigné de la prière nafila, tu t'es éloigné du fait de jeûner, par exemple, le facultatif, lundi, jeudi, les trois jours, à Ashura, comme ça, et comme ça, cette prière de la nuit, etc. Donc, il y a des causes pour que l'iman monte, il y a des causes pour que l'iman descende. Il monte avec l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il descend avec sa désobéissance. Contrairement à certains sectes, ils disent que l'iman, ni il monte, ni il descend. Al-Mu'im, ici, le témoin, c'est quoi? Il a dit dans le verset ici, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ, il a dit, فَزَادَهُمْ إِمَانًا. On a dit à certains gens, on a dit aux sahaba, attention, les gens se sont rassemblés contre vous. Yani, ils vont vous tuer, etc. Il faut avoir peur d'eux. Naam. Qu'est-ce qu'il dit, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? قَالُوا حَسْبُونَ اللَّهِ نَعَمْ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَزَادَهُمْ إِمَانًا. Car cela accrue leur foi. فَزَادَهُمْ إِمَانًا. Et ils ont dit, Allah nous suffit. Et il est le meilleur garant. Et le muhim, quand les gens leur ont dit ça, qu'est-ce que ça a fait? Cela accrue leur foi. Au lieu d'avoir peur, ils ont eu, ça a renforcé leur foi. Subhanallah al-Azim. Donc le témoin, c'est quoi? C'est regarder la foi, donc monte. Il y a des causes qui la font monter, des causes qui font qu'elle descende. Ici, on est en train de citer yani, les preuves que la foi monte et qu'elle descend. C'est pour ça qu'on a cité ce verset. وقال تعالى وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Et il a dit, selon une traduction du sens, les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Donc il y a un autre verset ici qui prouve que la foi augmente et diminue, bien sûr. Non. Donc les vrais croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Allah Azza wa Jal. Et quand ces versets leur sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. Non. Ici, lorsqu'il a dit les vrais croyants sont ceci et cela, ça ne veut pas dire que les autres, ils ne frémissent pas. Non. Quand on mentionne Allah Azza wa Jal, ça veut dire que ce sont des faux croyants. Non. Ça veut dire simplement que leur foi est faible par rapport aux autres, par rapport à ceux qui, lorsqu'on mentionne Allah Azza wa Jal, leur cœur frémisse. Naam. Ceux-là, yani, sont qariban, presque la perfection dans la foi. Naam. Ils sont plus parfaits que on les compare avec ceux qui sont en dessous d'eux. قال تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. Il a dit تعالى, selon une traduction du sens, et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit, quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi? Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi et ils s'en réjouissent. Allah Ta'ala dit, quand une sourate est révélée, il en est parmi eux, c'est-à-dire pas tout le monde, l'âme. Il dit, quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi? Donc c'est un délit que la foi augmente. Et ici, il est en train de citer les versets qui
prouve ou qui montre que la foi augmente, par exemple, avec yani, quand on entend, par exemple, le Coran. Non, quand on entend le Coran. Et aussi, bien sûr, quand on le récite nous-mêmes. Voilà des preuves que la foi augmente bi'illah subhanahu wa ta'ala. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, et quand les croyants virent les coalisés, ils dirent « Voilà ce qu'Allah et son messager nous avaient promis. » Et Allah et son messager disaient la vérité. Et cela ne fit que croître leur foi et leur soumission. Voilà, naam. Des dédits, que la foi, yani, monte. Ici, elle est montée par quelque chose. Et quand les croyants virent l'ahzab, naam, qui sont venus à les combats, etc., ils disent, voilà ce que Allah et son messager nous avaient promis, et Allah et son messager disent la vérité. Ça fait quoi? Ça fait croître leur foi. Naam. Parce qu'ils savent que c'était déjà prévu, que voilà ce qui allait se passer. Donc, ils ont dit ce qu'a dit le prophète, alayhi salam, naam, et ce que nous a promis Allah Ta'ala est vrai. Alhamdoulilah, ça s'est passé comme prévu. Donc, ça a quoi? Ça a augmenté leur foi. C'est comme si maintenant il y a quelque chose qui se passe, par exemple, et bien sûr on va revenir et voir le Coran ou les hadiths, il y a je ne sais pas combien, 1500 ans ou là, on trouve par là que c'était déjà cité autrefois. Qu'est-ce que cela fait? Cela fait croître notre foi. On dit Alhamdoulilah, subhanallah al-azim, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit une chose, Allah subhanahu wa ta'ala dit une chose dans le Coran, on la voit maintenant de nos propres yeux. Naam. وقال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. Il a dit تعالى, selon une traduction du sens, c'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. Donc Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui a fait descendre la quiétude, sakina, dans les cœurs des croyants. Pour quelle cause? Afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. La foi est déjà ancrée dans leur cœur. Mais puisqu'on a dit qu'elle augmente, donc ils ajoutent encore une autre foi sur la foi que la personne a. Et ça commence à grandir, et à augmenter. C'est pour ça que la foi augmente et diminue. Elle augmente jusqu'à devenir masha'Allah et diminue jusqu'à ce qui n'y est qu'un atome, un fil comme ça dans le cœur. Et si on perd ce fil, bien sûr, on passe de l'autre côté, on devient kafir, l'ayadu billah. Non. Donc le croyant, il est comme ça. Des fois, sa foi monte vraiment, des fois, descend, jusqu'à, on a peur qu'il passe de l'autre côté. Allah Azza wa Jalla nous préserve, il préserve nos cœurs. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait beaucoup dans ses doigts, « Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik ». Dans le hadith, c'est-à-dire, il y a Allah. Bon, je n'ai pas la traduction, vous l'avez de ce hadith Allah, toi qui fais retourner les cœurs, raffermis mon cœur pour ta religion. Donc, toi, Allah qui fais retourner les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Car dans un autre hadith, le prophète Islam a bien montré qu'il a dit que les cœurs des humains sont entre deux doigts, des doigts. Du Rahman, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme ils sont entre ces deux doigts, donc c'est à lui qu'on doit demander qu'il raffermisse nos cœurs. Naam. Car ça peut osciller, ça peut aller de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tfadzal. Wa qala ta'ala, wa yazdad alladhina amanu imana. Et il a dit ta'ala, selon une traduction du sens, que la foi des croyants augmente. ويزداد الذين آمنوا إيمانا. نعم. C'est-à-dire pour que la foi des croyants augmente. Pour que la foi des croyants augmente. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ النساء وقال لهن ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن فهذا دليل على نقصان الإيمان. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا
رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة. Et dans les deux recueils authentiques, dans le hadith d'Ibn Omar, qu'Allah les agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorta les femmes et leur dit: je n'ai jamais vu des personnes ayant des manquements de la raison et de la religion réussir à faire partir la raison d'un homme ferme comme vous le faites. C'est là une preuve que la foi diminue. De même, sa parole, sallallahu alayhi wa sallam, les croyants ayant la foi la plus parfaite sont ceux qui ont le meilleur comportement. Ahmed et d'autres, d'après Abu Huraira. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit dans les deux recueils. Non. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam exhorta les femmes et leur dit, qu'est-ce qu'il leur a dit ? Je n'ai jamais vu des personnes ayant des manquements de la raison et de la religion, il parle des femmes. Manquement de la raison, dans le sens que la femme a beaucoup plus sa raison et son travail. Donc, elle oublie, des fois les choses se mélangent pour elle. Tellement la responsabilité chez elle est lourde. Et un manquement de la religion. Pourquoi les femmes ont un manquement de la religion ? Tout simplement parce que chaque mois, elles ne prient pas une semaine. Ni ne jeûnent, ni pendant 5 jours, 6 jours, à cause de leur maladie. Donc ça, c'est la taille qu'il a donnée, bien sûr. Mais pas comparé à l'homme, c'est un manquement. Parce que l'homme, par exemple, il prie année tout le mois et jeûne par exemple tout le mois. Donc cela ne veut nullement dire que elle est blâmée pour cela. Mais le prophète a dit malgré cela, malgré son manquement de la raison et de la religion, comment se fait-il qu'elle réussisse à faire partir la raison d'un homme ferme, c'est-à-dire un homme sérieux, un homme ferme, un homme mûr, elle peut lui faire partir la raison, peut-être même l'énerver ou là, jusqu'à ce que sa raison parte et que je ne sais pas ce qu'il veut, je ne sais pas ce qu'il dit. Quand il a dit normalement quelqu'un qui a un manquement de raison et de religion, elle ne peut pas faire des choses, réussir à faire des choses pareilles. Mais la femme réussit. Allah a une capacité à faire de sorte que, dans beaucoup de cas, c'est elle qui a le dessus. C'est pour ça que des fois, la femme te laisse parler, son mari parle jusqu'à ce que tu te fatigues, mais en fin de compte, peut-être qu'elle va faire ce qu'elle, le plan qu'elle a dans la tête, elle va l'exécuter, et c'est elle qui aura le dessus. Il a dit, c'est là une preuve que la foi diminue. Une preuve que la foi diminue. Quand elle reste une semaine sans prier, ou alors sans jeûner, si c'est pendant le ramadan, c'est un manquement de quoi ? C'est un manquement de religion. Donc, elle a délaissé des choses qu'elle n'a pas faites, des choses, soit obligatoires, soit nafila, soit. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure ? Que la foi diminue avec quoi ? Avec le fait de délaisser les choses obligatoires ou les délaisser, l'obéissance. Pour cela que même si ce n'est pas de sa faute et qu'elle doit délaisser, ne pas prier par un grand état de monstrueux, mais quand même, elle a délaissé des choses qui sont bien sûr, des œuvres, etc. Donc, par rapport, par exemple, à l'homme, ici, dans cette période où elle a délaissé, sa religion a diminué. Même par rapport à elle-même, pas par rapport à l'homme, par rapport à elle-même, qui, lorsque elle n'était pas malade, elle priait. Donc, maintenant, en délaissant la prière par exemple cette semaine, donc, elle a une diminution dans la foi. C'est en ce sens que donc, sa foi a diminué. Et il a dit, les croyants ayant la plus parfaite foi sont ceux qui ont le meilleur comportement. On va prendre deux croyants. Ils sont, masha'Allah, dans la salat, dans le zakat, dans le hajj, masha'Allah. On a celui-là qui a un bon comportement et l'autre qui a un mauvais comportement. Celui qui a le bon comportement, sa foi est plus grande que celui qui a le mauvais comportement. Ça, c'est seulement dans le comportement, pas dans d'autres choses. Peut-être que celui qui a un mauvais comportement, peut-être qu'il fait plus de mal que l'autre.
peut-être qu'il donne, il prie la nuit, l'autre ne prie pas. Mais si on va regarder seulement qui sont le comportement, on va dire celui qui a un bon comportement, sa foi est plus grande que celui qui a un mauvais comportement. Est-ce que le microphone Rod, il s'est un peu éloigné de vous ou non? Ah, c'est vrai. Moi, je me suis éloigné. Ah, soumhouli, cher. Du mal au dos, je me suis... Ou sinon, merli, cher, on entend très bien. Non, c'est facile. أحسن الله إليكم. وإذا كان من اتصف بحسن الخلق فهو أكمل المؤمنين إيمانا فغيره ممن ساء خلقه أنقص إيمانا. Si celui qui a le bon comportement est de tous les croyants celui qui a la foi la plus parfaite, alors un autre qui lui a un mauvais comportement a une foi plus basse. C'est ce que j'ai expliqué, Annie. Ça fait pas une minute. Si celui qui a le bon comportement et de tous les croyants, celui qui a la foi la plus parfaite, alors un autre qui a un mauvais comportement a une foi plus basse. Donc c'est une preuve que la foi monte et diminue, augmente et diminue. Sam, vous m'entendez mieux comme ça? Masha'Allah. La foi ne peut être sans croyance. لأن هذا إيمان المنافقين قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. La foi n'est pas parole et œuvre sans croyance. Et cela est la foi des hypocrites. Allah Ta'ala a dit, selon une traduction du sens, parmi les gens, il y a ceux qui disent nous croyons en Allah et le jour dernier, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Donc c'est clair que la foi n'est pas seulement une parole, dire « Shahadu la ilaha illallah »« Shahadu Muhammad Rasulullah » ensuite faire des œuvres. S'il n'y a pas quoi, la conviction dans le cœur que Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré et croire en lui, etc. Donc s'il n'y a pas de croyance, alors dans ce cas l'hypocrite serait un croyant aussi et il irait au paradis. Pourquoi? Parce que l'hypocrite dit et il prie avec toi dans la mosquée, et peut-être même qu'il fait des sadaqat, et peut-être même qu'il, je ne sais pas s'il va au hajj ou là pour montrer aux gens, mais dans son cœur, à l'intérieur, il ne croit pas. Il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala, que, ni au prophète Sam, qu'il faut le suivre, que c'est un messager, que ceci, cela. Al-Muhim. C'est pour ça que certaines personnes disent, Yachir, par exemple, il demande au savant, il dit Yachir, par exemple, je sens que je suis hypocrite. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, même des sœurs. Je sens que ma foi, je suis devenu hypocrite, etc. Que répondent des savants? Ils posent une question, ils disent est-ce que tu pries quand tu es seul dans la maison? Normalement, Inch'Allah Ta'ala, la personne va dire oui, je prie. Mais il dit voilà une preuve, que tu n'es pas un hypocrite. Parce que l'hypocrite ne prie jamais quand il est dans la maison, seul, ou avec sa famille, ni ne lit le Coran, ni ne donne des aumônes, ni. Parce que l'hypocrite fait ça, et elle montre sa foi à Agda, seulement devant les gens. Il n'a même pas de foi. Il montre Zama, qu'il est croyant, devant les gens, pour un but matériel, pour qu'il ne soit pas lésé, pour qu'on ne le tue pas, parce que on va dire c'est un kafir pour qu'on puisse le marier, pour qu'il puisse vivre avec les croyants, et comme ça. Donc c'est pour sa chahwa à lui. Donc celui qui prie à la maison, qui t'a obligé à prier? Il n'y a personne qui est en train de te voir parmi les gens. Donc ça se voit que tu pries pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu étais hypocrite. Tu dis à personne qui me voit. Allez, quand il y a des gens avec moi, là, je vais à la mosquée, je prie. Je suis à la maison, je ne prie pas. ليس الإيمان مجرد المعرفة. La foi n'est pas seulement la connaissance. وليس هو مجرد المعرفة. لأن هذا إيمان الكافرين والجاحدين. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. بارك الله فيك. Elle n'est pas seulement la connaissance, car cela est la foi des mécréants et des négateurs. Il a dit, selon une traduction du sens,
ils les nient injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Donc, Allah Ta'ala dit, et ils niaient injustement et orgueilleusement. Ça veut dire que il sait que Allah Ta'ala existe, qu'il y a ceci, il y a cela. Dans son cœur, il atteste cela. Mais il nie, il ne veut pas reconnaître. Donc, le fait d'attester avec le cœur seulement, d'avoir la connaissance que Allah Ta'ala existe, par exemple, qu'il y a un paradis, qu'il y a un enfer, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. S'il n'y a pas quoi ? S'il n'y a pas l'attestation avec la langue et aussi suivi des œuvres, comme on a dit, trois choses. Attestation du cœur, attestation de la langue et les œuvres bi'idna azza wa jal. Soit Jahmiya, quand il parle d'Iman, il dit c'est le ma'rifa. Tu connais, que tu saches que Allah Ta'ala existe. On va leur dire pourquoi Iblis ne sait pas que Allah Ta'ala existe. Allah Ta'ala lui a même parlé, subhanallah l'adim. Il n'a pas parlé. Même un akan tisjoud lima khalaqtu biyedi. Il a dit khuruj minha, et comme ça. Mais malgré cela, c'est un kafir Iblis. C'est le chef des kofars. Et pourtant, Iblis reconnaît que il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça ne sert à rien. La connaissance, s'il n'y a pas l'attestation de la langue, et comme on a dit, suivi des œuvres, inshallah ta'ala. وقال تعالى إنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent te chagrine. Or, vraiment ils ne croient pas que tu es menteur, mais ce sont les versets d'Allah, c'est-à-dire le Coran, que les injustes renient. Donc Ta'ala lui dit, nous savons qu'en vérité ce qu'ils disent te chagrine. Or, vraiment ils ne croient pas que tu es menteur. Naam. Ils savent que tu n'es pas menteur et que tu as été envoyé par Allah et que Allah Ta'ala existe, etc. Naam. Oui, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils renient les versets d'Allah Azza wa Jal injustement. Donc le fait qu'ils sachent, naam, que c'est un messager, etc. Naam, ils sachent, mais ils savent ça dans leur cœur. Sinon, ils n'attestent pas de cela. Naam, mais dans leur cœur, ils savent que c'est pas un menteur qu'il a été envoyé par Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne veulent pas reconnaître. Donc, ça ne l'a aidé en rien. Non. Ça ne leur a servi à rien, le fait de savoir si ce n'est pas suivi par les deux attestations et les œuvres. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Ceux à qui nous avons donné le livre le reconnaissent. Samir, reconnaissent le livre ou la reconnaissent qui ? Mohammed alayhi salatu wassalam. Quelle est la preuve ? Comme ils reconnaissent leurs enfants. À cause des enfants. On ne peut pas connaître un livre comme on connaît nos enfants, mais on connaît une personne comme on connaît nos enfants. Quand j'ai dit ça, car en arabe, vous savez que la mère, Yaoud, il a akhrab mudkour. Akhrab mudkour ici, ya'rifuna hu. L'hu hu na zamir mutasin bni azam fi mahali nas mf'oul bihi. Il revient sur qui ? Au prophète alayhi salam. Normalement, il revient au livre. Parce que akhrab mudkour, le site le plus proche, c'est le kitab. Normalement, ya'rifuna hu. Et connaissent le livre parce qu'il est le plus proche. Mais la preuve qu'il ne parle pas du livre, mais de Mohammed, c'est qu'il a dit comme ils connaissent leurs enfants. Donc, il est en train de parler de Mohammed parce qu'on ne peut pas connaître un livre. On ne dit pas je connais un livre comme je connais mon fils. Mais on dit je connais telle personne comme je connais mon fils ou plus. Donc, le témoin, c'est quoi ici ? Ils le reconnaissent comme ils reconnaissent leurs enfants. Voilà, tu ne connais pas toi ton enfant. Tu le connais. Naam. C'est comme ça. Tu sais aussi que Mohammed, alayhi salam, il connaît très bien. Tu connais même sa filiation. Tu connais tout de lui. Naam. Mais ils ne veulent pas attester cela. Naam. Ils renient cela. Ils renient cela. Wa qala ta'ala, falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Et il a dit Ta'ala, selon une traduction du sens, quand leur vint cela, même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Naam. Dans leur cœur, quand ils sont par exemple ensemble, ils se parlent là,
ils savent que il a été envoyé par Allah. Ils savent que c'est Mohammed, ils le connaissent très bien comme leurs enfants. Mais ils refusèrent d'y croire. Ils refusent. Ils disent non, je ne le suis pas. Pourquoi, par exemple, lui a été envoyé, choisi comme messager? Pourquoi pas moi, ou bien Abu Jahl, ou bien l'autre? Pourquoi spécialement lui? Qu'est-ce qu'il a de plus? Même les kuffars, les gens du livre, ça disent pourquoi yani, c'est un arabe de Quraysh? Pourquoi ce n'est pas quelqu'un des Benou Israël? Pourquoi spécialement de Quraysh, par exemple? C'est pour ça, jusqu'à présent, il y a de nos jours, dans les pays en Europe, là, ils croient que l'islam, c'est seulement pour les Arabes. Ils disent non, l'islam, c'est venu pour les Arabes. Nous, yani, les kuffars, par exemple, c'est le christianisme, le judaïsme. L'islam, c'est pour les Arabes, pas pour nous. Donc, il y en a qui refusent de croire par hasad. Par hasad. Il dit non, orgueilleusement, je ne reconnais pas. Alors que dans son cœur, il sait que yani, ce qu'il dit est faux. وقال تعالى وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. Et il a dit تعالى, selon une traduction du sens, de même nous anéantîmes les Ad et les Thamoud. Vous le voyez clairement à travers leurs habitations. Le diable, cependant, leur avait embelli leurs actions au point de les repousser loin du sentier. Ils étaient pourtant clairvoyants. Le témoin dans ce verset, c'est quoi? C'est la dernière phrase. Ils étaient pourtant clairvoyants. Ils voyaient bien avec leurs yeux, avec leur cœur. Mais ils nièrent. Ils nièrent. La preuve, lorsqu'il a dit « Nous anéantîmes Ad et Thamoud », vous les voyez clairement à travers leurs habitations. Vous voyez les ruines de leur maison, vous voyez, c'est là qu'ils habitaient, c'est là ceci, c'est là cela. Donc, ils étaient vraiment clairvoyants. Malgré cela, yani, ils renient et ne veulent pas reconnaître, reconnaître yani, la vérité. Même là, tu as dit, « فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْضُرُوا » Est-ce qu'il, pourquoi vous ne marchez pas yani, sur la terre ou là? Et vous voyez, voyez ce qui se passe, regardez les châteaux, regardez ce qu'ils ont laissé, regardez, c'est dans les versets. Regardez les ruines, les Romains, des ceci, regardez, elles sont là, il y a des ruines. Ils ont laissé des châteaux qui existent jusqu'à présent. Ils sont partis, ils ont tout délaissé. La foi ne peut être sans œuvre. وليس هو قولا واعتقادا دون عمل لأن الله سمى الأعمال إيمانا فقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى البيت المقدس. La foi n'est pas non plus parole et croyance sans œuvre, car Allah a appelé les œuvres foi. Il a dit Ta'ala selon une traduction du sens, et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi, c'est-à-dire votre prière en direction de Jérusalem. On est musulman au début, avant que le Mecca, le Kaaba, avant que le Kaaba ne soit la Qibla, il se dirigeait vers où? Vers l'Aqsa, vers Jérusalem. Ensuite, quand il est venu, l'ordre de se diriger vers la Qibla, les kuffars et les Yehoud, on dit aux Sahaba, puisque vous avez délaissé cette Qibla pour l'autre, ou bien vous étiez sur le juste et vous avez délaissé le juste pour Nam, ou bien vous priez vers le faux et maintenant vous dirigez vers le juste. Donc, dans tous les cas, c'est pas bien pour vous. Et tout ce que vous avez prié vers Jérusalem, donc les Sahaba, ça les a touchés, ils ont dit donc on n'a pas prié vers la vraie Qibla ou la comment. Allah Ta'ala fait descendre le verset. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Il a dit, et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre إِيمَانَكُمْ, votre foi ou la récompense de la foi. Pourtant, il veut dire salat, il veut dire votre prière. Et comment qu'il l'a appelé ici? Il a dit la foi,
La récompense de votre foi. Imanakum. En arabe, il a dit imanakum. Allah Ta'ala ne va pas vous faire perdre votre foi. C'était votre prière que vous avez priée vers Jérusalem. Donc, Naam, que dit ici l'auteur? Il dit que yani, la prière, Allah Ta'ala l'a appelée foi. Ou la foi l'a appelée prière. Pour montrer quoi? Pour montrer que la foi, ce sont les œuvres. La foi, amal. La foi, c'est salat, c'est zakat, c'est ceci. Ce n'est pas seulement quelque chose dans le cœur. Dalil, la salat, il l'a appelée foi. Il veut dire que la foi, ce sont des œuvres et non pas seulement quelque chose dans le cœur. Naam. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس آمركم بأربع: الإيمان بالله، هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من المغانم الخمس. Dans les deux recueils authentiques, dans le hadith d'Ibn Abbas, qu'Allah les agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit au convoi de Abdul Qais: je vous ordonne quatre choses. La foi en Allah, savez-vous ce qu'est la foi en Allah? Témoigner qu'il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah. L'établissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne de Ramadan et de donner le cinquième des butins. Donc le prophète alayhi wa sallam ici montre à certains gens qui sont venus yani embrasser l'islam devant lui, non, mais demander des choses ils connaissent pas. Il leur dit: je vous ordonne quatre choses. La foi en Allah. Ensuite il dit: vous savez ce que c'est la foi? Premièrement, témoigner yani shahadun la ilaha illallah, non, ou bien sûr shahadun Muhammadan abduhu wa rasuluh. Deuxièmement, la prière, l'établissement de la prière. Troisièmement, l'acquittement de la zakat. Quatrièmement, le jeûne de Ramadan, et donner, qu'est-ce qu'il a dit, donner le cinquième des butins. Donc, le prophète, alayhi sallam, ici, a traduit la foi en quoi? En œuvre. Il a dit ce sont des œuvres. Quelque chose dans le cœur. Mais aussi témoigner, qu'il n'a divinité que Allah, qui mérite l'adoration, et faire la prière, zakat, jeûne de Ramadan, et donner le cinquième des butins. Donc, c'est pour prouver qu'il n'y a pas de foi sans naam, des œuvres. S'il n'y a pas d'œuvres, il n'y a rien. Naam. Au fi sahihayn. Au fi sahihayn, aïdan, an Abi Huraira, radiallahu anhu, an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Et dans les deux recueils authentiques également, d'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi se compose de 70 et quelques branches, ou 60 et quelques branches. La meilleure est la parole: il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée en dehors d'Allah, tandis que la plus basse consiste à écarter une nuisance du chemin, et la pudeur est une branche de la foi. Donc la foi, actual iman, c'est pas seulement quelque chose dans le cœur, mais c'est 70 branches ou 60. Naam. Parmi ces branches, la meilleure c'est reconnaître que il n'y a pas de divinité qui mérite d'être adorée en dehors de l'Allah. Ensuite, la plus basse en bas, naam, écarter une nuisance du chemin, naam, yani pour que et faire cela, bien sûr, pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et la pudeur est une branche de la foi. Parmi les 70 ou là les 60, il y a le fait d'être pudique. Le fait d'être pudique, ça fait partie de la foi. Ça, j'ai dit une fois. Plus on est pudique, plus, par exemple, c'est une preuve de la foi. Vous remarquez que la personne, plus elle est pudique, surtout, par exemple, si c'est une femme, même un homme, plus elle est pudique, plus, yani, par exemple, elle se couvre et couvre son corps. Et plus on couvre son corps, plus c'est un délit de la foi. Et plus la foi est faible, plus on découvre notre corps. Naam. Et plus ça ne nous dit rien d'être comme ça dénudé ou de montrer telle et telle chose. Naam, ça ne nous dit rien. Pourquoi? La foi est faible. C'est pour ça que Adam, alayhi salam,
quand il a mangé de l'arbre, lui et Hawa. La première punition, c'était quoi? C'était qu'ils se sont retrouvés nus jusqu'à ce que Allah Ta'ala leur a ordonné d'enlever des feuilles et de se couvrir. Naam. Ça veut dire yani, les ma'asi, les péchés par Allah l'Azim, ça pousse vers yani, la nudité, etc. Naam. Ils ont mangé, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné yani, un châtiment, yani, ils sont trouvés nus. Naam. Plus la personne yani, a la foi, naam, grande dans son cœur, plus la personne voudrait, et même sans qu'elle veuille, se trouve yani, qu'elle penche vers yani, la pudeur. Qu'elle penche vers la pudeur. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois il est passé devant deux personnes, il a trouvé une personne en train de yani, blâmer l'autre. Il lui dit, toi, tu es pudique, beaucoup yani, pudique, tu ne parles pas, tu es là, tu as honte, tu as ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tais-toi, laisse-le. Naam. Il lui a dit, la pudeur ne ramène que du bien. Femt. La pudeur, yani, il dit, laisse-le. Femt. Parce que la pudeur, en fait, c'est une qualité, ce n'est pas un défaut. C'est une qualité et ce n'est pas un défaut. Et comme j'ai dit, plus la foi est grande dans nos cœurs, plus on est pudique. Et plus yani, la foi est faible, hein, plus on a tendance à yani, devenir yani, grossier, devenir et comme ça. Naam. حكم الأعمال. Le statut des œuvres. وليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. فمن تركها مطلقا فقد كفر. أجمع على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il n'y a pas une œuvre dont l'abandon est une mécréance, sauf la prière. Celui qui la délaisse de manière absolue a certes mécru. Il y a consensus des compagnons du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم sur cela. Il n'y a pas une chose que si on l'abandonne, ça devient une mécréance, il a dit, sauf la prière. Et que celui qui la délaisse de manière absolue est devenu mécréant. Il a dit, il y a un consensus des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur cela. Naam. Là, je veux dire que naam, même ce consensus, pas tous les savants l'ont reconnu. Naam. Il y en a parmi des savants qui ont dit que yani, ce consensus, comme on dit en français, fihi nadar est discutable. Ah, mais vous allez voir pourquoi. Fadl al-Qarahna, voilà, c'est Abdullah ibn Shaqiq qui a dit ça. Qala Abdullah ibn Shaqiq, lam yakun ashabu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yarawna min al-a'mali tarkahu kufrun ghayra as-salah. Rawahu at-Tirmidhi. Abdullah ibn Shaqiq a dit: les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne considéraient pas que l'abandon d'une œuvre soit de la mécréance, sauf la prière. D'abord, Abdullah ibn Shaqiq n'est pas un sahabi, c'est un tabi'i, et il rapporte des sahaba. Les sahaba eux-mêmes, quand ils étaient vivants, ils n'ont pas rapporté ce consensus. Deuxièmement, il a dit que ne considérez pas l'abandon d'une œuvre, il n'y a pas une chose qui était considérée comme mécréance. Si on l'abandonne, il a dit sauf quoi? Il a dit sauf l'abandon de la prière. Mais quand il a cité la mécréance, naam, cela ne veut pas dire yani, absolument que c'est la grande mécréance. Ça peut être aussi la petite mécréance. Ça peut être aussi la petite mécréance. On va voir plus amplement, inshallah. Le jugement du takfir. Wa takfir haqqun lillah. فلا يكفر أحد إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع المسلمون على تكفيره. Le takfir est un droit d'Allah. On ne doit déclarer personne mécréant si ce n'est celui qu'Allah et son messager صلى الله عليه وسلم ont déclaré mécréant, ou s'il y a consensus des musulmans sur sa mécréance. Avant cela, on va revenir un peu sur la salat. Donc celui-là, il a dit qu'il y avait un consensus des sahaba que comme quoi celui qui l'a délaissé, c'est un mécréant. Alors, ce qu'il faut savoir, premièrement, bien sûr, il y a un hadith qui dit c'est connu, mais est-ce qu'il parle de la grande mécréance ou de la petite? Alors, ce qui est étonnant, c'est que les trois grands imams, Imam Malik, et avant lui, Abu Hanifa, et Malik et Shafi'i, les trois ont dit: s'il délaisse la prière seulement par paresse, il n'est pas kafir.
il la délaisse par paresse et non pas par reniement, il la renie, il n'est pas kafir. Ajoutez à cela la deuxième parole, le deuxième madhab de Ahmed, qui se trouve dans le Mourni. Dans le Mourni, il a ramené la deuxième parole de l'imam Ahmed, il a dit, c'est ça le plus vrai. Donc, si on va prendre le deuxième avis de l'imam Ahmed, ça va donner le consensus des quatre grands imams. Abu Hanifa, Malik, Shafi'i et imam Ahmed, qui ont dit que celui qui la délaisse n'est pas kafir. Imaginez ces quatre grands imams, s'il y avait un consensus des sahaba, comme quoi c'est un kafir, comment suite ces grands quatre imams, yani, avec leur grand ilm, qui a été étendu yani, aux Orients et à l'Occident, yani, disent qu'il n'est pas kafir. C'est un peu étonnant. Ensuite, une chose très importante, comme a dit Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il a dit chaque ordre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, et même qui vient du prophète, ça c'est une règle, apprenez-la, très importante. Chaque ordre qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala comporte deux côtés, ou la comporte deux autres ordres, sous-ordres. C'est quoi les deux? Le premier ordre, de croire et d'attester cette chose. Et là, le deuxième ordre, là, de faire cette chose. Quand Allah Azza wa Jalla te demande de donner la zakat, c'est obligatoire. Tu dois faire deux choses. Dans ton cœur, reconnaître l'obligation. Car si tu dis la zakat, ce n'est pas obligé, tu deviens kafir. Donc, dans ton cœur, tu as un premier ordre, c'est de reconnaître le statut. Et le deuxième ordre, c'est de faire, c'est de donner la zakat. Quand Allah Ta'ala ordonne la femme de se voiler, elle doit attester deux choses. Dans son cœur, reconnaître que le voile est obligatoire. Ensuite, se voiler. C'est pour ça que si elle se voile, sans reconnaître le statut de l'obligation, elle devient kafira. Et elle dit, d'accord, je me voile, mais dans mon cœur, ce n'est pas vrai, il n'y a pas le voile. Elle sort de l'islam pour ne pas reconnaître l'obligation du voile. C'est un exemple. Donc, Timmy, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la même chose par rapport à la salat. Allah Ta'ala nous a ordonné de prier. Donc, il y a deux choses. Attester que la prière est obligatoire. Et ensuite, prier. Il a dit, celui qui n'a pas prié par paresse a fait un des deux ordres. Quel ordre il a fait? Il a attesté avec son cœur que Allah Ta'ala a ordonné cette prière. Comment serait-il kafir? C'est le premier qui dit ça. Il dit, comment qu'il devient kafir alors qu'il a fait une des deux obligations? Il y a deux obligations. Reconnaître le statut de la salat qu'elle est obligatoire et prier. Celui-là, il a reconnu le statut, seulement il n'a pas prié. El Mohim. Ensuite, comme dit Cheikh l'Islam aussi, il dit une chose très importante. Il a dit, de tous les temps, nos parents, nos ancêtres, de tous les temps, on a vu et entendu que celui qui meurt en délaissant la prière, quand on le lave, quand on le recouvre, etc., on achète le drap blanc, etc., on le couvre, il a dit, et en plus de ça, on l'enterre dans des cimetières musulmans. Est-ce que vous avez entendu de votre vie, quelqu'un mourir parmi les musulmans, par exemple, et être enterré chez les kofars? Il a dit, c'est pas possible. Il a dit, de tous les temps, on a vu que celui qui veille, lui, avec les musulmans, qu'il prie ou qu'il ne prie pas, il a dit, on l'a toujours enterré dans le cimetière musulman. Alors, si c'est un kafir, c'est interdit de le laver. C'est interdit de prier sur lui. C'est interdit de kafan. Et c'est interdit encore de l'enterrer dans un carré musulman. Ça, il a dit. Et voilà l'avis de Cheikh Taymiyyah, et cet avis me plaît beaucoup. Et c'est l'avis avec lequel j'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, le takfir, et c'est ça le statut du takfir, il a dit, ça revient au juge musulman, au hakim et au sultan. Si lui, on dépose plainte contre telle personne qui ne prie pas, c'est lui qui l'appelle, il établit sur lui la preuve. Ensuite, s'il prie, alhamdoulilah, s'il ne prie pas,
il ordonne qu'on le tue et ensuite on va l'enterrer avec les kofars. Il a dit, mais tant que le hakim n'a pas établi sur lui la preuve, il ne peut pas yani, comme ça faire son takfir d'une façon claire. Alors que, comme j'ai dit, que les quatre grands imams ont dit qu'il n'était pas kafir s'il a délaissé par paresse. C'est aussi l'avis, bien sûr, de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Contrairement à Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh Ibn Baz et les savants d'Arabie Saoudite. C'est une question d'Alil, c'est pas une question de qui sont plus nombreux à dire oui, qui sont plus nombreux à dire il est kafir, il n'est pas kafir. Vous avez compris? Maintenant, il parle du statut de takfir. Il a dit le takfir, c'est un droit d'Allah Azza wa Jal. On déclare personne mécréant si ce n'est Allah Azza wa Jal, son messager, qui l'ont déclaré mécréant. Ou s'il y a un consensus des musulmans sur sa mécréance. Ou bien, bien sûr, si c'est un grand savant qui dit d'une personne, cette personne est mécréante. Après l'avoir entendu ou l'a lu ce qu'il a dit, etc., et établit sur lui la preuve. On ne peut pas comme ça facilement, en parlant d'une personne, on dit celui-là, khlas, il est kafir. Alors, le hadith sahih, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu dis d'une personne, il est kafir, si la personne n'est pas vraiment kafir, ça revient sur toi et tu deviens kafir. Ça, c'est grave. Très grave. Tu dis d'une personne qu'elle est kafir alors qu'elle ne l'est pas. Qu'est-ce que ça va se passer? Ça va se renverser sur toi. C'est toi qui vas avoir des problèmes. Donc, pourquoi je ne retiens pas ma langue? Qu'est-ce que j'ai gagné en disant qu'il est kafir alors qu'il n'était pas et maintenant c'est moi qui suis devenu kafir? C'est pour ça que les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Que tu te trompes sur un kafir et tu dis de lui il est musulman. Et beaucoup, beaucoup meilleur que de te tromper sur un musulman et dire de lui il est kafir. Vous avez compris? Je me suis trompé. Celui-là, il va à l'église chaque dimanche. Et je me trompe, je dis, celui-là, c'est un croyant, c'est un musulman. C'est moins grave que de dire d'un musulman que c'est un kafir et de se tromper. Non, continue, Inch'Allah. من كفر أحدا بغير الكفر الذي قام البرهان الجلي عليه من نص الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة أو الإجماع فهو مستحق للتغليظ العقوبة والتعزير إذ ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله رواه البخاري عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ainsi, celui qui taxe sans droit autrui d'une autre mécréance que celle clairement prouvée par les textes du livre ou de la sunna authentique ou encore par le consensus mérite d'être sévèrement puni et réprimandé car le fait d'accuser un croyant de mécréance, c'est comme le tuer. Rapporté par Al-Bukhari, d'après Thabit ibn Dhahak, d'après le prophète, alayhi salatu wassalam. Parce que quand tu l'as accusé de mécréance, alors que c'est un croyant, c'est comme le tuer ou plus. Là, c'est quelle vie maintenant il va vivre? Il va vivre une vie de kofar parmi les musulmans. Ni tu vas le marier, ni tu vas le... C'est pour ça que, moi, quand je pense aux Khawarij, qui ont rendu tous les musulmans kuffars, et même les khawarij d'autrefois qui ont rendu les sahaba kuffars. Quand je pense aux rawafid, qui rendent yani, les sahaba kuffars de nos jours, quel sera yani, leur châtiment yom al-qiyama s'ils meurent dans cet état? Imagine, une simple personne, ton voisin, une simple personne, un musulman, ton voisin, une simple personne, des gens de la masse, tu dis de lui qu'il est kafir, alors qu'il ne l'est pas. Imagine le châtiment qui t'attend. Non. Imagine maintenant que tu dis ça, ce n'est pas sur ton voisin, les gens de la masse. Tu dis ça sur un sahabi. Abu Huraira, Omar, Uthman, Mu'ad ibn Jabal, enfin les grands sahabas. Tu dis deux, ce sont des kofars, comme disent les rafidites. Quel sera le châtiment yom al-qiyama? La ilaha illallah, Allah al-musta'an, Allah nous préserve. Non. Amen. والكفر يقع بقول كفري ليس فيه خلاف معتبر وكذا بفعل وكذا باعتقاد وليس من شرط الكفر الاستحلال. La mécréance se produit par une parole de mécréance au sujet de laquelle il n'y a pas de divergence considérable, par un acte et aussi par une croyance. Il n'est pas une condition pour que ces choses soient mécréances que celui qui les commet les rende licites. وفرق بين التكفير العام وتكفير الشخص المعين فالتكفير العام كالوعيد العام
يجب القول بإطلاقه وعمومه، كقول الأئمة من قال القرآن مخلوق فهو كافر. Il existe une différence entre le takfir général et le takfir d'une personne en particulier. Le takfir général, comme la menace générale, doit obligatoirement être prononcé au sens absolu et général. À l'instar de la parole des imams, celui qui dit « le Coran est créé » est mécréant. Quand il a dit « la mécréance se produit par une parole de mécréance, au sujet de laquelle il n'y a pas de divergence considérable, par un acte ou aussi par une croyance ». On a vu tout à l'heure que l'iman, la foi, c'est quoi ? C'est par le cœur, l'attestation, ensuite par la langue, hein, ensuite par les œuvres. La même chose pour le kofr. Hein. L'iman, on a dit, il se fait d'abord par le fait de croire avec le cœur. Ça veut dire le contraire aussi. Avec le cœur, en faisant une chose avec le cœur, on peut devenir kafir. Ou devenir kafir, ce n'est pas obligé d'insulter Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas seulement ça. Mais même avec le cœur, en faisant des choses, on devient kafir. Par exemple, yani, j'atteste dans mon cœur, à l'intérieur, que Allah Azza wa Jal est du dhulm, il est injuste. Ça, ce n'est pas quelque chose qui se dit. Et moi-même, je suis seul dans ma chambre, je commence à penser comme ça, je me dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il est injuste. L'autre, il lui a donné telle et telle chose, moi, il ne m'a pas donné. L'autre, il lui a donné des enfants, il en a 7 ou 8. Moi, je n'ai pas un seul enfant. Il est injuste. Ça, je suis devenu kafir, les gars de Billah. Alors, dans mon cœur, je me dis tout cela, et personne qui m'entend, je me dis dans mon cœur que Allah subhanahu wa ta'ala ment. Les gars de Billah, ment. Il a dit ceci, alors que ce n'est pas vrai. Je suis devenu kafir. Donc, le kofr se fait aussi par le cœur. Ou bien il a dit par la parole. La parole, c'est clair. Dire, yani, le Coran a été écrit par Mohammed, dire, insulter Allah, c'est clair, ce n'est pas la peine d'y parler. Et se fait aussi par les actes. Comme se prosterner à une statue. Hein, sans être contraint, sans contrainte. Hein, tout seul, j'y vais et je me prosterne devant cette statue. Je jette le Coran par terre. Je prends le Coran, je le jette par terre. Sachant que c'est un Coran, je sais que c'est un Coran, je le jette par terre. Ils ont dit aussi, tuer un prophète. Tuer un prophète, ça devient kafir, la personne devient kafir. Ce n'est pas comme tuer n'importe qui. Tuer ton voisin, ou même ton père, tu le tues, tu n'es pas kafir. Mais tuer un prophète, pourquoi ? C'est le prophète, il représente le din. Qu'est-ce qu'il est venu faire le prophète ? Nous montrer Yanni comment devenir riche et comment construire des palais. Il ramène le dîn, c'est un ambassadeur entre Allah et nous. Et toi, tu le tues. Ils ont dit la même chose pour celui qui a été tué par un prophète, Allahu Akbar. Même si un prophète te tue, tu deviens kafir. Car les prophètes sont les gens les plus pieux qui ne tuent pas une abeille ou une mouche. Pour rien, ni une fourmi, pour rien. Alors il va tuer une personne. Alors s'il tue une personne, ça veut dire que vraiment cette personne est kafira. Non. Donc, comme pour devenir croyant, c'est par le cœur et la parole et les actes, la même chose, on peut devenir kafir avec le cœur, ou bien la parole, ou bien les actes. Ensuite, il existe une différence entre le takfir général et le takfir d'une personne en particulier. Non. Par exemple, là, celui qui dit le Coran makhlouq, le Coran est créé, c'est un mécréant. Mais on ne peut pas dire que telle personne, hein, pour par exemple Karim, qui habite dans tel quartier, et on m'a rapporté qu'il a dit que le Coran est créé, donc je dis que Karim c'est un kafir. Jamais. Je dis quoi ? Je dis qu'il a dit une parole de kofre. Est-ce qu'il est kafir ou pas ? Ce sont les savants qui vont établir sur lui la preuve. Entre autres, la première question qu'on va lui poser, c'est quoi ? Ou qu'on va poser à ses parents ou là. Est-ce que votre fils est lucide ? Il n'est pas malade mental ? Il n'est pas gda ? Non, ils vont dire, alhamdoulilah, il est... Est-ce que votre fils est pubère, par exemple ? Parce qu'il n'est pas pubère, il peut dire ce qu'il veut. Pas bien de dire, mais s'il dit, ça veut dire qu'il n'a pas de péché. Non, il est pubère. Ensuite, on s'adresse à la personne elle-même. Est-ce que tu sais que celui qui dit que le Coran est créé, c'est du kofr,
C'est la mécréance. Non. Non, il dit, ah non, je ne savais pas, moi, je croyais qu'il était créé. J'ai lu ça dans tel livre et tel savant, et je croyais que c'était ça, le madhhab de Al-Sunna. Alors là, vous voyez qu'il est excusé. Donc, tu as fait une grande faute quand tu as dit que Karim est kafir. Parce qu'on t'a rapporté qu'il a dit que le Coran est créé. Alors que tu n'as pas établi sur lui la preuve. Naam. Fadlan. وكقول ابن خزيمة رحمه الله من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر حلال الدم وكان ماله فيئا. Et comme la parole d'Ibn Khuzaymah, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui a dit: celui qui ne reconnaît pas qu'Allah s'est élevé au-dessus de son trône, au-dessus de ses sept cieux, est un mécréant au sang licite et dont les biens reviennent au butin. Ibn Khuzaymah, l'un des grands savants dans la Aqida, Al-Sunna et autres. Non. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui ne reconnaît pas qu'Allah istawa ala l'arsh, s'est élevé au-dessus du trône, non, au-dessus des sept cieux, c'est un mécréant, kafir, au sang licite et dont les biens reviennent au butin. Donc celui qui ne reconnaît pas qu'Allah ta'ala est au-dessus du arsh, non, istawa ala l'arsh, kafir. Dites-moi, est-ce que nous, par exemple, nos parents reconnaissent ça? Hein? Nos djiddettes, nos grands-mères, nos grands-pères savent que Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Non. Tout le monde, tous les musulmans savent que Allah Ta'ala est au-dessus du trône. Alors on va dire d'eux, tous ce sont des kuffars. Car il a dit, celui qui ne reconnaît pas ça, il est un mécréant au sens licite. Et on lui prend même les biens. On les donne comme butin. Mais on va dire, ce n'est pas comme ça. On va dire, celui qui ne reconnaît pas, c'est un kafir, ça. Mais ça ne veut pas dire que X ou Y ou Z, qu'on va citer avec les noms et qu'on connaît, qui sont devenus kuffars parce qu'ils disent que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus des cieux. Mais il faut l'établissement de la preuve. Après avoir établi sur eux la preuve, et les ulama, pas n'importe qui. Ensuite, naam, s'ils ne reconnaissent pas, là on va dire il est kafir. Naam. Wa takfir al-shakhs al-mu'ayyan la budda fihi min tawaffur al-shurut wa intifa' al-mawani'. Fa la yalzam min at-takfir al-mutlaq al-'am takfir al-shakhs al-mu'ayyan hatta tatawaffar fihi shurut at-takfir wa tantafi 'anhu mawani'uh. Quant au takfir d'une personne en particulier, il est impératif de voir réunies ces conditions et disparaître ces empêchements. Le takfir absolu et général n'implique pas le takfir d'une personne en particulier. Jusqu'à ce que les conditions du takfir se vérifient et que ces empêchements disparaissent. Ça, c'est le résumé de ce que je viens de dire maintenant. C'est-à-dire, une personne non, qui a dit telle ou telle chose, on va dire ce qu'elle a dit ou ce qu'elle a fait, c'est du kofr. Non. C'est pour ça qu'Al-Sunna ou Jama'a font la différence entre le Qawl et le Qa'il, et le Fi'l ou le Fa'il. Al-Sunna ou Jama'a font la différence entre la parole et celui qui l'a dite, et la personne. Et entre l'œuvre, Naam, et l'acte, et celui qui l'a fait. Il y a une différence. Naam, comme on a dit tout à l'heure, celui qui dit que Allah Ta'ala n'est pas au-dessus du trône, on dit celui-là, yani, il a dit une parole de kufr. Et celui qui dit ça est kafir. Mais attention, ce n'est pas X ou Y qui est kafir. C'est celui qui dit ça après établissement de la preuve sur lui. C'est pour ça qu'est-ce qu'il dit ici? Le takfir absolu général n'implique pas le takfir d'une personne particulière. Pourquoi? Jusqu'à ce que les conditions du takfir se vérifient et que les empêchements disparaissent. Ça veut dire, pour dire que quelqu'un est kafir, il faut qu'ils remplissent les conditions, il faut qu'il n'y ait pas d'empêchement. Parmi les conditions, par exemple, c'est quoi? C'est comme j'ai cité, qu'il soit pubère, qu'il soit lucide, qu'il sache que cette chose, par exemple, est haram, par exemple. Naam, ou la shirk, ou la kof, ou la... Naam. Regardez, par exemple, ça c'est par rapport à, aux paroles. Maintenant, par rapport aux actes, par exemple. Moussa alayhi salam, quand il s'est énervé, vraiment énervé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté les psaumes, l'alwah,
Est-ce qu'il est devenu kafir? On jette yani, quelque chose, on jette ce qui vient d'Allah Azza wa Jal. On jette des psaumes. Non. Il n'est pas devenu kafir. Pourquoi? Parce qu'il y a un empêchement. C'est quoi l'empêchement? L'empêchement, c'est la grande colère. Quand il y a une grande colère, on n'a plus la conception des choses. On fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Pourquoi le talak n'est pas accepté dans la grande colère? La même chose. Non. Le coffre n'est pas accepté dans la grande colère. La vente n'est pas acceptée dans la grande colère. Hein? Tout ce qui vient après la grande colère, on ne lui rend pas compte. Non. Pourquoi? Parce que, comme a dit le professeur, il a dit, la talaq fait irlaq. Il a dit, il n'y a pas de talaq, il n'y a pas de talaq, divorce. Irlaq dans la grande colère. Il a appelé irlaq du verbe ralaqa, irlaq. Il ferme. Ça veut dire ton cerveau dans la grande colère. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau se ferme. Il ne fonctionne plus. Tu ne sais pas ce que tu conçois. D'ailleurs, combien de personnes, yani, après la colère, tu vas lui dire que tu as dit telle chose, tu te dis, oh là, je ne sais pas. Là, je ne me souviens pas d'avoir dit cette chose. Je ne me souviens même pas d'avoir dit tu es talak. Pourquoi? Dans la colère, on ne sait pas ce qu'on dit, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est pour ça que le professeur Sam a dit, la tardab, la tardab, la tardab. Non. Donc, il faut voir, yani, est-ce que non, les conditions yani, existent chez cette personne qui a fait le coffre en disant le coffre ou en le faisant, et est-ce que cette personne n'a pas d'empêchement? L'empêchement, ça peut être, par exemple, des fois, la contrainte. Tu mets le revolver sur la tempe et on te dit, par exemple, si tu ne te prosternes pas à la statue, on te tire yani, une balle dans la tête. Maintenant, si tu vas te prosterner, yani, parce que tu veux te prosterner, tu aimes la statue. Si tu étais seul, tu te serais prosterné. Non. Donc, dans ton cœur, tu es contre cela. Non. Mais tu le fais sous contrainte. Donc, on ne va pas dire que tu es kafir. Mais en général, on dit que celui qui yani, se prosterne, par exemple, pour la statue, par exemple, il est kafir. C'est un exemple. Donc, il faut faire la différence entre yani le takfir général et le takfir en particulier. Voilà, bi'idna azza wa jal pour le cours d'aujourd'hui, incha'Allahu azza wa jal. Pour le prochain cours, incha'Allah ta'ala, on va l'annoncer aussi, incha'Allah ta'ala, sur le site bi'idna azza wa jal, ou là, sur Twitter, ou là, comme aujourd'hui, bi'idna azza wa jal. Samir, Kamel, vous avez des choses à dire? Naam, cheikh, jazakallah khair, cheikh, assalamu alaikum, barakallah feekoum, cheikh, ça fait très longtemps. On n'a pas fait cours. Wallahi. Comme tout moi aussi, pardonnez-moi pour même vous qui m'entendez, Inch'Allah, les auditeurs, pour être présents avec nous. Et vous aussi, excusez-moi pour ne pas avoir donné de cours assez longtemps. J'ai vu beaucoup de choses. D'ailleurs, ici, je profite pour dire, j'ai par rapport au mail, on m'envoie beaucoup de questions. Désolé pour ne pas répondre yani, à tout le monde, surtout dans cette période où je suis avec ma mère yani, à Alger. Yani, excusez-moi beaucoup et on se rencontre Allah Ta'ala très bientôt. Subhanakallah wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma fikum. Ah, wesh, Bilal, wesh rak Bilal, prêt? Après. La baisse? أتنى. الحمد لله عندك حبه حلوه. انا عندي حلوه صح مايت كنت مريض. لا بس طهور ان شاء الله. بارك الله فيكم الشيخ، احسن الله اليكم. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله.